Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner un exercice pour que vous puissiez apprendre à un peu mieux maîtriser votre corps. Alors je sais qu'on peut avoir plein d'idées reçues par rapport à la maîtrise du corps. On peut imaginer des mouvements de gymnastique très complexes. Mais par exemple, si on s'intéresse à la maîtrise d'un art quelconque, souvent ce à quoi on fait référence, c'est ce raffinement. C'est le sens des détails, c'est pas le gros de mouvement de base, c'est vraiment tous les petits détails. Tout ce que le débutant ne voit pas. L'expert, lui, ce qu'il rajoute, c'est ces détails. L'expert, lui, voit ce que le débutant ne voit pas. Et du coup, là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un de ces détails, qui est le silence. Un mouvement qui est maîtrisé est un mouvement silencieux. Pourquoi? Parce qu'un mouvement qui ne fait pas du bruit demande un contrôle moteur qui est important. Il y a une grande différence en termes de maîtrise du corps si maintenant quelqu'un se met à sauter et qui fait du bruit et quelqu'un qui saute et qui ne fait pas de bruit. Parce que ça demande déjà d'avoir une bonne proprioception, savoir vraiment où mon corps se situe dans l'espace, mais ça demande vraiment une coordination qui est très fine, une maîtrise totale. Et ça, vous pouvez aussi le voir chez les chats, par exemple. Bon, il y a toujours des exceptions à la règle, mais généralement, un chat, lorsqu'il va faire un saut, c'est très doux, c'est très élégant, ça fait pas de bruit. Et oui, l'élégance est une preuve de contrôle moteur. Un mouvement qui est élégant, c'est un mouvement qui est contrôlé. Et un mouvement contrôlé, c'est un mouvement qui est silencieux. Donc, tout le temps, tous les mouvements qui sont élégants, peu importe le mouvement, c'est un mouvement qui est silencieux. Et du coup, comment vous allez commencer à développer ce silence? Comment maintenant vous allez apprendre à bouger sans faire de bruit? Pour ça, je vais vous proposer un exercice. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en hauteur, par exemple au-dessus d'un banc, au-dessus d'une petite muraille, là je suis dans un parc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter en position de squat complet. Vous allez sauter pour vous rattraper de nouveau en position de squat complet. Et entendre le bruit que ça fait. Du coup, là, je vais vous le faire une fois. J'ai pris un micro pour enregistrer le bruit que je fais. Donc ça, vous allez le faire. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est apprendre à votre corps, faire ce mouvement assez de fois et développer la coordination fine nécessaire pour faire de moins en moins de bruit en faisant ce mouvement. Du coup là, il y a des petites pierres par terre, du coup ça fait davantage de bruit. Si je le fais dans l'herbe, que dans l'herbe, eh ben, il n'y aura pas assez de bruit. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple juste mettre mon poids de corps au niveau de mes doigts de pied. Et du coup, là, je refais le mouvement, je l'enregistre et vous voyez qu'il va faire moins de bruit. Et donc finalement, là, rien qu'en changeant un peu la manière de faire le mouvement, bah, il fait déjà moins de bruit. Sauf que vous allez voir, en vous entraînant encore et encore et encore, un mouvement si simple que sauter peut devenir très compliqué. Vous demandez à quelqu'un dans la rue, vous lui demandez, est-ce que vous savez sauter? Personne ne va vous dire, oui, je sais sauter. Non. Tant qu'un mouvement n'est pas silencieux, ce mouvement n'est pas maîtrisé. Si vous ne savez pas sauter sans faire de bruit, vous ne savez pas sauter. Et ça, c'est le grand problème dans la société, c'est que maintenant on s'imagine, ah oui, je sais sauter, ah ben bien sûr, je sais ramper. Non, tu ne sais pas sauter, tu ne sais pas ramper. Ça demande une certaine maîtrise. Il n'y a aucun mouvement qui est anodin. Chaque mouvement demande une maîtrise, demande un entraînement qui est conséquent. C'est pour ça qu'on ne peut pas être un maître en mouvement, parce qu'il y a tellement de mouvements, tellement de manières de pratiquer différentes et une telle marge de progression qui est importante. Du coup, voilà, faites cet exercice et après, testez avec d'autres exercices, commencez à explorer avec votre corps et regardez la manière dont vous pouvez bouger de façon plus silencieuse. Par exemple, moi là, je suis dans un appart, j'ai une voisine du dessous, bon, là, elle s'est calmée, mais. Souvent, elle se plaint, ah, vous faites trop de bruit, machin truc, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'habitude, en marchant les escaliers pour monter, vu que je suis au deuxième, elle est au premier, et ben, de marcher vraiment tout doucement, parce que c'est des marches en bois, du coup, ça fait un bouquin du tonnerre. Et j'ai vu finalement toute la marge de progression que je pouvais avoir dans un mouvement aussi simple
que de marcher. Donc voilà, apprenez à mieux maîtriser votre corps en étant de plus en plus silencieux. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et comme d'habitude, si vous voulez aussi un programme de mouvement qui vous apprend à réellement maîtriser votre corps, vous pouvez les voir sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!